Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour le signe des poissons. Les poissons, ce sera votre tirage de l'année 2022. Je vais terminer tous ces tirages aujourd'hui. Il reste les poissons et les cancers. Donc comme ça, vous aurez tous votre prévision pour l'année qui arrive. Donc ce sera une prévision pour que vous ayez aussi donc des énergies principales, l'énergie du tarot. Ensuite, je vais entourer un petit peu tout ça avec l'eau Shosen. Vous allez avoir donc trois domaines principaux qui seront développés, mais en forme de tableau. Ce sera le tableau pour le professionnel et le financier, tableau sentimental et tableau plutôt psychologique, émotionnel avec la triade pour voir un petit peu ce qui va se passer pour l'année 2022. Comme c'est long, comme c'est loin, donc ça peut plutôt parler un peu des 6 premiers mois. Je dirais, on va faire un bilan milieu d'année prochaine. Donc voilà, ça pourra aussi changer parce que c'est vraiment des prévisions trop lointaines. Aujourd'hui, c'est les poissons. Donc j'ai décidé de terminer les vidéos, même si j'aimerais bien faire les vidéos de fin d'année. Je verrai, j'ai pas beaucoup de temps. Je voulais faire la journée du 12-12, j'ai pas eu le temps. Je voulais faire celle du week-end pour la semaine, j'ai pas pu faire. J'ai fait celle de la semaine. Donc n'hésitez pas de regarder semaine du 13 au 19 décembre 2021 pour tous les signes. Tirage très intéressant. Je ne veux pas me vanter, mais ils sont bien et complets, aussi par domaine. Et puis là, on fait 2022, on le clôt. Je vais essayer donc le clore aujourd'hui. Alors, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, déjà votre message que l'on peut utiliser pour l'année 2022, on nous dit trouve ton centre. Ça peut tout à fait déjà vous parler, ou bien on a une datation 12 semaines, 12 mois. De qu'est-ce qu'il y a eu une année? Dans une année, quelque chose pourra se faire. 12 semaines. À vous de voir comment ça résonne. On va tout de suite prendre une carte du tarot de Marseille pour l'énergie principale de l'année 2022. Et l'énergie principale pour l'année 2022. J'espère que vous allez bien, chers amis. Énergie principale pour l'année 2022. Poisson. Poisson. De concentrer. C'est vrai que ça fait pas mal de vidéos en cette fin d'année et moi je peux pas travailler toute la journée. Vous avez la force avec vous, le poisson. Alors comme j'ai fait pas mal les tirages de fin d'année, donc du 15 au 31, c'est aussi pour vous. Vous voyez ce qui se passe pour vos fêtes. Référez-vous à ces tirages. Allez voir votre tirage poisson 15 au 31 décembre. Parce que ça peut aussi résonner beaucoup, hein, ce tirage, vu qu'il est proche. Mais on essaie d'aller plus loin. On nous dit ici, l'énergie principale, c'est qu'il vous faudra prendre les choses en main. Prendre les situations qui étaient peut-être difficiles à gérer, ce que je me rappelle des poissons. En 2021, il y avait beaucoup de soucis pour moi. Je ne sais pas si ça vous parle. Au niveau sentimental, au niveau de personnes qui vous ont trompé, au niveau de surprises, des choses que vous ne vous attendiez pas. Peut-être que cette année, vous devrez prendre les choses en main, les régler. On va dire définitivement, essayer de les régler, cette problématique assez importante. C'est vraiment ça, je prends le taureau par les cornes, je gère la situation, j'ai besoin de force, de combat, d'énergie. On va prendre ici une autre carte principale pour les poissons. Bienvenue sur les guidances de Shiva, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, bienvenue à tous les nouveaux, hein. Cliquez abonner et la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos que je fais. Parce qu'on me demande souvent où elles sont, mais je dis bah, dans les playlists, si vous les avez et cliquez la cloche, vous avez normalement reçu la vidéo. Donc les poissons pour l'année 2022, une carte d'énergie. Oh ben, il y a de l'argent qui rentre. Qu'est-ce qu'on va se plaindre? C'est beau ça. Ça, c'est très beau. La porte sur l'argent. Les portes qui s'ouvrent sur l'argent, donc des rentrées d'argent, augmentation de salaire, nouveau travail qui vous rapporte plus, des rentrées que vous attendiez sur différents domaines, d'un procès, d'un appartement, peu importe, ça peut rentrer par plusieurs moyens, un héritage ou autre. Donc, énergie importante à avoir aussi, donc pour certains poissons. Là, je vais prendre 4 cartes ou 5 de l'eau Shosen pour avoir plus d'informations. Les poissons. J'aimerais des messages pour l'année 2022. Poisson, message pour l'année 2022. Pour l'année 2022, qu'est-ce qu'il y a comme énergie?
Rien qui vous souhaite. Énergie pour le poisson. Année 2022, énergie pour le poisson. Première chose, compréhension à faire. Ça, c'est ce que je pensais par rapport à ça. Des choix à faire ou des amoureux. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Encore en prendre. Poisson pour l'année 2022. Poisson pour l'année 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message? Trouver une certaine joie de vivre. Et puis, oui, il y a une renaissance. Regardez, le lion, le taureau. Je dompte la force, je dompte la colère. J'utilise cette force, ce courage. Vous aurez vraiment besoin de ce courage, de prendre les choses en main, de ne plus les laisser couler ou faire comme si, ou être gentil, ou améliorer, arrondir les angles, c'est ce que je pourrais dire. Ou vous, je sais pas comment expliquer, vous acceptez des situations peut-être professionnelles qui ne sont pas bonnes ou trop en bas de ce que vous méritiez. Au niveau salaire peut-être aussi, il faudra vraiment vous battre, il faudra taper du poing sur la table, il faudra exiger avec ces deux cartes. Il y a une renaissance avec la force, donc le lion, hein, c'est le lion, hein, la force, c'est le combat, c'est la force, le courage, l'endurance qui sera importante en 2022. Il y a une notion d'argent, donc peut-être aussi à ce niveau-là, vous méritez mieux. Avec la compréhension et la nouvelle vision, peut-être vous ferez un flashback, j'allais dire, en arrière. Vous allez avoir une nouvelle vision sur cette année ou sur ce comportement que vous avez eu qui était trop gentil, je le sens comme ça. Vous avez laissé trop faire ou donné trop de chance, au final, qui n'a pas été positif ou valorisant pour vous. Et puis là, on a soit les amoureux, donc de l'amour qui revient dans votre vie, un nouvel amour positif, différent. Parce que j'ai eu vraiment ces sensations de tromperie, hein, malheureusement. Ou des choix à faire, mais qui vont vous apporter justement de la joie. Besoin de retrouver une joie dans votre vie qui sera en 2022. En tout cas, on le dit. Soit dans la joie, plus dans cette énergie-là. On va regarder ici avec... ce sera le petit Lenormand celtique pour votre domaine des poissons. Au niveau professionnel, financier, travail, activité pour l'année 2022. Qu'est-ce qui se passe? Faut que j'enlève mon écharpe, mais j'avais froid. Il se mélange dans mes cartes. Alors, message pour les poissons, année 2022. Travail, activité, finances. Les finances, on voit qu'il y a normalement du bien, du meilleur. Poisson, travail, activité, finance pour l'année 2022. Pour l'année 2022, écoutez votre intuition. La santé, l'énergie, elle a l'air bien. Surtout d'écouter votre intuition. C'est pas ce que je voulais, moi. C'est pas la coupe. C'est pas le plus important dans ce jeu. C'est ça. Y a des gens qui vous manipulent encore. J'espère pas, hein. Moi, j'ai senti que des gens vous tenaient, vous empêchaient, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, d'être et de recevoir ce que vous méritiez. Trop gentil, trop sympa, laisser faire les autres, croire, donner une chance. Et alors que des gens se fichent de vous, vous empêchent d'être et de faire ce que vous voulez. Première info. Alors, il y a du renouveau qui s'annonce en 2022, ce qui est très positif. On voit que vous quittez un chemin, une situation, un travail, une personne pour partir. C'est-à-dire pour commencer quelque chose de nouveau. La carte numéro 1, le cheval, les nouvelles situations. Il y a une nouvelle situation qui se profile pour vous au niveau pro. Donc, c'est bien. Vous pouvez recommencer à travailler, il y a un nouveau travail, on sort du chômage. Une nouvelle activité qui arrive, qui sera très très positive avec le soleil qui domine. Ce sera quelque chose de très bien, de très lumineux, de très valorisant pour vous. Je dirais enfin, parce que là j'allais dire enfin, ça a duré trop longtemps aussi, peut-être certains manques de travail ou difficultés de travail ou d'abus dans un travail que ça n'allait pas. Ou le travail que vous allez commencer va durer. Donc, sachez ça, les poissons, c'est très positif. On voit que vous allez être
Quelque part dirigé, protégé par l'univers, vous avez l'étoile. Donc il y a une protection pour ce nouveau travail, il y a une guidance, on vous montrera le chemin, des gens sont sur votre passage, on va vous guider. Avec la femme de pique, alors, soyez quand même prudent. Je ne veux pas que ça se répète en 2022, c'est peut-être ces arnaques ou voilà, des gens qui ont essayé de vous empêcher d'avancer. Elle est quand même présente, hein. Vous voyez, elle a une fiole comme pour vous empoisonner. Moi, je dis faites attention, ça pourrait correspondre à cette carte ici, niveau du travail. Ou espérons que ce soit le passé, je vais voir. Donc, par rapport à votre vie, ça c'est vous ou votre foyer. Mais c'est plus vous, parce que dans votre travail, on voit qu'il y a un renouveau personnel qui s'opère, qui est très positif. Une bonne prise de conscience, remettre de la lumière sur les choses pas claires, vous vous réveillez, il y a une renaissance chez vous, hein, très clairement ici. Il y a, je dirais, une protection, maintenant j'ai compris, par rapport à des personnes mal intentionnées, s'il y en avait dans le passé, vous allez plus vous laisser faire et plus les voir, elles vont plus vous bloquer. Et ben là, ben on a, voilà, vous avez décidé de couper avec un ancien travail qui vous faisait mal. Hein? Là, l'étoile peut aussi nous dire, on vous protège, on te conseille de couper avec l'ancien qui a duré trop longtemps et qui te faisait du mal par une personne qui pouvait être malsaine. Tu commences quelque chose qui pourra aussi durer sur le long terme. Mais il y a eu des énergies où on vous empêchait d'être à votre place ou dans un travail agréable. On ne parle pas beaucoup des finances, mais pour moi, la porte ouverte à l'argent, on dit que ça va rentrer avec cette nouvelle activité qui est vraiment plein centre de votre tirage. Il y a un renouveau professionnel pour les poissons. Or, quand? Ça peut être janvier, mars, milieu d'année, il y a en tout cas cette notion de renouveau. Est positif. Et même vous, vous renaissez. Renaissance, naissance à votre moi, avec le soleil au milieu. Et on quitte, on coupe avec le négatif au niveau pro qui nous faisait du mal, qui n'était pas du tout adapté à nous, bah, où on était manipulé, j'ai l'impression, par quelqu'un de pas très sain. Vous allez le comprendre. C'est bien d'être gentil, mais non. Non, non. Au bout d'un moment, les gens, plus t'es gentil, plus ils se fichent de toi, c'est non, hein. Vous me direz en commentaire si ça peut vous parler, hein. On va regarder au niveau sentimental ici maintenant pour vous les poissons. Qu'est-ce qui se passe au niveau amour en 2022? Dans les grandes lignes, bien sûr, adaptées à votre situation. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo. Vous pouvez aussi offrir des guidances privées à vos amis comme cadeau. Vous m'écrivez dans le mail cadeau pour et je préparerai un mail que vous leur enverrez. Donc, c'est vous qui payez pour la personne, mais c'est un cadeau et je fais 5 euros de moins. Un petit cadeau aussi pour vous, moins cher. Poisson en année 2022 pour l'amour. Poisson année 2022 en amour. Qu'est-ce qui va se passer pour les poissons année 2022 en amour? Alors, je vais quand même voir la coupe. Alors, il y a eu des séparations par rapport à la fidélité. C'est ce que j'ai vu dans l'année 2021. Il y avait des allers-retours, un manque de confiance. On ne croyait pas que c'était possible, mais oui. Et ça nous redit ça. Bon, on va dire que c'est le passé. Alors, les poissons pour l'amour en 2022. Et il faut reprendre votre vie en main, je dirais. C'est comme si vous avez lâché un peu des choses, laissé faire les choses, laissé couler, pas trop être vous en disant, moi, je veux ça, 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 c'est comme ça, comme ça, comme ça. Hein? On retrouve la paix, la sérénité. Ça, c'est super. C'est ce que je ressens. Je pense que cette année, elle ira beaucoup mieux. Je vous ai dit, vous allez retrouver un travail positif. Vous allez retrouver un moi positif, une renaissance. Là, on nous parle tout de suite d'une envie de famille ou que ça va très bien se passer dans votre famille, avec votre partenaire, avec vos enfants. Il y a l'abondance, donc elle rentre. Alors, on va voir. Hein. Mais il y a une pause. J'allais dire, faut voir la carte qui est ici. Parce qu'on pourrait nous dire avec la pause que votre couple peut être en petit souci parce qu'il y a des problèmes financiers.
On dit effectivement qu'il vous faudra patienter. Il y a de l'attente. Il y a de l'attente en 2022. Il y a un ralentissement au niveau amoureux. C'est peut-être pas le bon moment. Si c'est l'année 2021 était difficile, l'année 2022, moi je conseillerais de ne pas aller trop vite, à moins qu'on rencontre la bonne personne. Il faut vraiment laisser l'univers faire les choses. Je vais regarder plus loin. Il y a un peu de confusion, effectivement. On ne sait pas trop quoi faire. Il faudra mettre. Alors, quelque chose à jour au niveau des finances. Est-ce que dans le passé, vous aviez été. Est-ce qu'on vous a eu pour l'argent? Est-ce que. Il y aura une. Parce que c'est comme si vous aviez des doutes dans votre relation sentimentale. Peut-être que la personne était avec vous pour l'argent, ou qu'il y a de l'argent qui disparaît, ou qui s'est intéressée, et que vous allez faire la lumière là-dessus. Vous êtes peut-être vous rendre compte que la personne avec qui elle est apporte. Alors, apportait l'argent seulement, ou était avec vous pour l'argent. Vous allez éclaircir cette situation. On dit de patienter. Alors, le voyage. On va voir pourquoi. Oui, il y a de la nouveauté, hein. Là, il y a quelque chose qu'on pourrait aussi nous dire. Avec patience, vous allez peut-être quitter le foyer. Avec, disons que, sans précipitation, vous allez peut-être quitter le foyer. On prend le large, on part, on quitte notre foyer. Parce qu'on a mis la lumière sur une confusion importante qui pourrait être en lien avec l'argent. Il faudra peut-être me mettre en commentaire. Et que là, il y aurait un renouveau qui se profile au niveau sentimental, plus pour la fin d'année, si on fait une ligne comme ça, qui nous dit qu'il y a un changement qui s'opère enfin dans votre vie, après cette confusion, une plus grande clarté. Il y a un renouveau qui s'opère, ces deux cartes de cercle, c'est les compréhensions, l'amélioration, la lumière et un départ. Il y a un départ important pour les poissons 2022, je vous l'ai dit, hein. Il y avait quoi la coupe? Enfin, je vous avais dit un démarrage. Non, il y avait eu la tromperie, ça c'est le passé. C'est fini. Vous allez prendre conscience, mettre en lumière, comprendre ce passé, faire des choix importants. Hein. La force, ça vous demandera du courage de faire des choix et mettre de la joie dans votre vie quand vous pourrez prendre plus légèrement certaines choses ou fêter certaines situations qui seront à fêter. D'accord? Il y a un renouveau, je dirais, vous verrez les choses différemment, mais peut-être pas de nouvelles rencontres ou des choix à faire. Les choix à faire, c'est voilà, moi je quitte la manière de vivre ma vie sentimentale passée pour une nouvelle manière de vivre. Autant général pour le travail, qui est aussi en numéro 1, autant le sentimental qui nous parle de renouveau. Donc vraiment une année importante. Ah, qu'est-ce qu'il nous donne comme message? Quelque chose qui peut arriver de manière soudaine, parce qu'on n'a pas parlé. On vous a pas dit, qui coupe carrément l'ancien, hein, c'est une nouvelle vie, ça coupe l'ancien, ça peut être vraiment un ancien karma, un ancien schéma. Et 2022 va apporter du renouveau assez important pour les poissons. Mais c'est un peu pour tous, hein. On va regarder l'émotionnel, psychologique, poisson, année 2022, qu'est-ce qui se passe au niveau psychologique, émotionnel pour les poissons, année 2022. Le côté émotionnel, psychologique, évolution, qu'est-ce qui se passe pour vous, les poissons? Évolution psychologique. Qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Vous êtes protégé, bon, c'est très bien. Déjà une protection spirituelle où on conseille de faire cette compréhension, understanding. Je comprends certaines choses. J'étais enfermée, il faut que je reprenne ma liberté. C'est un peu ce que je ressens, une nouvelle vision des choses aussi. Comment on dirait quittant un archer pour lancer des nouvelles idées dans l'univers, une nouvelle manière d'être. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau psychologique pour les poissons? Émotionnel. J'accorde la sérénité que vous retrouverez en amour. Alors, c'est bien parce que je pense que vous allez régler votre passé. Ici, poisson, amour.
Poisson, amour. Poisson, niveau psychologique, émotionnel pour l'année 2022. Ok. C'est aussi l'amour de soi. Par où est-ce qu'on va passer? Ah, la protection, doublement protégée par rapport à l'amour de vous-même. Moi, c'est ça que je ressens, hein. Il y a eu un manque d'amour de soi. Il y a eu, je pense, un manque de respect de vous en 2021. Mais là, on va vers 2022 qui montre qu'en prenant les choses en main, la protection spirituelle qui est là pour vous aider dans une reprise en main de l'amour de soi, de se faire respecter, écouter, ne pas accepter n'importe quelle condition. Vous devez aussi vous pardonner cette erreur. Ce sera important si on nous le dit quand même. Ici, c'est pardonne-toi et pardonne aux autres. Je te pardonne, tu ne savais pas ce que tu faisais. Je n'accepte pas, mais je ne suis plus en colère contre toi. Et tu laisses partir. Pour trouver une certaine sagesse, une stabilité, c'est exactement ce que je ressentais. On écoute mieux son intuition, on comprend mieux où on va. Je dirais par rapport à la tentation, on a une sagesse, on va pas resubir. La tentation, j'assens, vous savez, le couple, oui, tu m'as trompé, mais je te laisse revenir. Et vous avez laissé passer souvent cette tentation, ou vous avez été tenté à faire des choses qui n'étaient pas très morales. Mais là, on retrouve une sagesse en 2022 et des solutions, des manières de faire, de trouver, de faire autrement. Il y a un remaniement de votre vie. Et il y a un nouveau travail, il y a un renouveau sentimental. C'est très bien. Je vais prendre un message ici pour vous de conseil pour l'année 2022 pour les poissons. Conseil pour les poissons, année 2022. C'est vraiment vraiment un renouveau qui est magnifique, hein. Là, vous avez la déesse à tort, des jeunes déesses de force, de courage, à nouveau sur l'adversaire. Permets-toi de recevoir. Vous voyez, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir, vous étiez trop gentil. Ça va permettre à ton intuition, à ton énergie et à ton habilité d'être dans la réceptivité. Ok, cette année 2022, on se permet de recevoir. Voilà, mes chers amis. Merci pour vos retours. J'étais assez vite, comme ça. plus rapide dans les tirages. Mais vous avez votre tirage 2022. Je vous souhaite une bonne année et je vous remercie pour votre retour par rapport à cette vidéo. Comment ça résonne en vous? À tout bientôt. Au revoir.